Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à distance, exceptionnellement, à la remise des diplômes 2021 de l'IUT Henri Poincaré de Longwy. Avant la présentation des lauréats, un petit mot de notre directeur, M. Souley Ali. Aruna, à toi la parole. Merci Pascal. Chères étudiantes et chers étudiants, chers collègues, chers amis de l'IUT qui nous suivez en direct, c'est un plaisir et un soulagement pour moi de pouvoir tenir cette traditionnelle cérémonie des lauréats de façon hybride. Cela montre qu'un pas a été franchi contre la pandémie puisque nous avions dû faire toute la cérémonie en distanciel en juillet 2020. J'exprime le vœu que nous puissions accueillir tous les diplômés pour l'année prochaine. Ce serait le signe d'un retour à la normale. Pour cela, je me permets d'espérer que toutes et tous, et surtout les jeunes dont le taux de vaccination est encore relativement faible, seront progressivement vaccinés. En effet, je pense qu'une grande partie de la tenue normale de l'année universitaire prochaine dépend de la résistance que nous pourrons opposer à la pandémie et au respect des gestes barrières désormais ancrés dans les mœurs. Résistance dont vous avez déjà fait preuve cette année, aussi bien les collègues BIATS et enseignants que les étudiants. Je vous dis un grand bravo pour cette résistance et je dirais même cette résilience qui a permis de mener l'année à son terme dans des conditions plus acceptables que l'année dernière. J'en veux pour preuve le nombre de séances en présentiel que nous avons pu assurer, mais surtout le nombre de stages que nos étudiants ont pu réaliser. J'ai aussi une pensée pour celles et ceux parmi vous qui continuent encore leur stage et qui seront diplômés en septembre normalement. Je tiens à remercier nos tuteurs de l'Université de Lorraine qui nous ont accompagnés et nous ont mis dans les meilleures conditions pour mener à bien nos missions grâce au soutien matériel et moral. Mes remerciements vont également aux collectivités locales, associations, différents organismes qui nous ont aidés pour soutenir nos étudiants dans la difficulté. Je ne peux pas citer tout le monde, car cela prendrait beaucoup trop de temps, mais j'ai une pensée pour tous. Et bien évidemment, un énorme merci à tous les membres de notre conseil, dont notre président Alain Cordier, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, à tous mes collègues BIAS, à tous mes collègues titulaires et vacataires, et enfin à tous les étudiants qui ont permis de finir cette année dans des conditions bien satisfaisantes. Avant de céder la place pour la suite de cette cérémonie des lauréats, je tiens à féliciter chaleureusement tous nos diplômés. Et comme notre objectif n'est pas seulement de former, mais aussi d'accompagner vers l'emploi, j'ai le plaisir et la fierté de vous informer de la signature prochaine d'une convention entre notre institut et Pôle emploi Longwy. Les différents avantages que cette collaboration pourra apporter à nos étudiants seront exposés lors de la cérémonie de signature que vous pourrez suivre en direct le 8 juillet à partir de 11h. Je souhaite d'excellentes vacances bien reposantes et un très bel été à toutes et à tous. Je vous remercie. C'est le moment de passer aux choses sérieuses. Alors, quels sont les lauréats cette année? Et commençons par les lauréats de la licence génie climatique et froid industriel. Donc, j'appelle au pupitre le responsable de cette licence, donc Rabat Djidjid. Rabat, à toi la parole. Merci Pascal. Je vais faire vite. Je tiens donc tout d'abord à féliciter l'ensemble de nos étudiants pour cette année en fait qui vient de se terminer, qui s'est passé, qui s'est déroulé un peu dans des conditions exceptionnelles vu la situation sanitaire. Je suis aujourd'hui là pour féliciter plus particulièrement nos 11 diplômés dont les noms sont affichés ici. Donc je préfère quand même les énumérer rapidement. Nadia Tonimen, Nom Pafonda Sidi, Babacar, lui, Abdou Kamal, Anissette, Larsen, Alexis, Lucas, Mathis et François. Et
Donc, s'ils ont réussi leur année, c'est notamment grâce à leur ténacité, leur maturité et leur travail quotidien. Donc, voilà, donc vous êtes. Donc, je félicite ces 11 étudiants et je salue les 20 étudiants qui restent, en fait, pour le mois de septembre. Donc voilà, vous êtes aujourd'hui titulaire d'un diplôme supérieur de niveau Bac plus 3, d'une licence professionnelle qui, je souhaite, vous ouvrira les portes d'une vie professionnelle à la hauteur de vos aspirations. Voilà, donc je crois qu'il n'est pas là. Notre major de promotion pour cette session de juin est M. Bons Nompafonda Sidi. Félicitations. Merci Rabat. Maintenant, c'est au tour d'une autre licence, une autre licence axée sur les énergies, particulièrement les énergies renouvelables. Donc, c'est au tour de la licence bâtiment durable et mobilité soutenable, donc représentée par notre ami Olivier Vipilo. Olivier, à toi. Merci. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis pour récompenser les étudiants de la licence qui ont validé avec succès et brio cette belle année universitaire. Donc, unanimement, au titre de l'équipe pédagogique qui vous a suivi tout au long de cette année, nous félicitons parce que vous avez validé ce diplôme de la licence professionnelle bâtiment durable et mobilité soutenable. Unanimement, lors de nos réunions, lors de nos conversations avec les différents collègues de l'équipe pédagogique, est ressorti le fait que cette promotion était très agréable, avec beaucoup d'échanges, du sérieux lors de nos séances, que ce soit en cours ou en TP. Voilà. J'ai également une petite pensée pour trois de nos étudiants qui viennent de trouver un stage, pour qui ça a été dur, mais qui vont enfin pouvoir mettre en œuvre leurs compétences au quotidien. Ne vous inquiétez pas, on se retrouvera au mois de septembre pour valider cette belle année universitaire. Également, une pensée pour Karima et Noé, qui n'ont pas pu mener à terme leur année universitaire pour des problèmes personnels. Je terminerai par le fait, voilà, une petite opinion personnelle. Ce qui serait sympa, ça serait de vous retrouver, les étudiants, sur vos lieux de travail, non pas comme encadrés, mais comme encadrants. Ça serait une suite logique des choses, tout simplement. J'ai pu constater aussi cette année que la licence est bonifiée à travers vos projets tutorés, qu'on va pouvoir exploiter de manière à les insérer dans les modules de formation, tout simplement par votre travail, votre sérieux. Je vous souhaite bon courage, parce que maintenant, une nouvelle étape va s'ouvrir, un nouveau chemin va s'ouvrir. Vous avez les compétences pour appréhender cette vie professionnelle. Donc, une petite pensée personnelle. Donc, soyez patient, curieux. En un mot, passionné, c'est ce qui fera la différence pour vous épanouir. Ne vous laissez pas gagner par l'aigreur ou par une impatience. Tout arrive au moment opportun. Voilà. Bon courage et mille félicitations de la part de l'équipe pédagogique. Pour terminer ma présentation, j'appelle Désiré Pianon, qui est la major de la promotion 2020-2021. Bonjour. Excuse-moi, Désiré. Donc, nous te félicitons. Merci. J'ai un petit mot aussi particulier pour toi et au nom de l'équipe. C'est vrai que tu as été très performante, très sérieuse, avec un profil atypique. Désiré a repris ses études
Elle travaillait, elle a repris ses études avec beaucoup d'enthousiasme. Et félicitations. Merci. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Violette. Voilà. Merci. Je ne pas la vie. Merci. Merci Olivier. Donc maintenant c'est le tour d'une autre licence, une licence professionnelle, mais pas seulement professionnelle, elle est également industrielle. Elle est également spécialisée dans l'hydraulique. Donc c'est au tour de la licence professionnelle hydraulique industrielle, pas électro-hydraulique, c'était dans le temps. Et bien vous êtes, enfin, j'appelle donc au pupitre un tout jeune palmé. Donc Edouard Richard, qui vient d'avoir les palmes académiques. Félicitations à lui. Richard, merci Pascal. Bonjour chères étudiantes et chers étudiants. Je m'adresse plus particulièrement aux étudiants de la licence professionnelle hydraulique industrielle, dont j'ai eu l'honneur d'être le responsable durant cette année. Une année, c'est court pour vous connaître, mais c'est suffisant pour vous apprécier. Dans l'ensemble, nous avons eu une bonne promotion. Et j'ai pris plaisir à travailler avec vous. L'acquisition de nouvelles connaissances et compétences se fait dans l'effort, et il est important de prendre plaisir à l'effort si l'on veut perdurer dans le temps. J'espère que vous avez acquis de nouvelles connaissances en hydraulique, certaines immédiatement exploitables et d'autres plus approfondies, nécessaires pour prendre de la hauteur. J'espère aussi vous avoir guidé dans la manière d'être, ce qui est aussi important dans le monde du travail. Je suis fier d'avoir une promotion multiculturelle. Pour paraphraser le célèbre généticien Albert Jacquard dans l'éloge de la différence, la richesse d'une civilisation se mesure à la diversité de ses cultures, s'applique aussi à une promotion. Ainsi, vous avez pu échanger entre vous et vous enrichir mutuellement. Vous voilà maintenant diplômé du grade de licence. Continuez à capitaliser des expériences. Continuez dans l'effort et le plaisir de cet effort, sans jamais se décourager face aux différentes épreuves. N'hésitez pas à m'envoyer un mail de temps en temps pour me tenir au courant de votre devenir. Pour ceux qui entrent dans le monde du travail, ce grade de licence va vous permettre de progresser rapidement au sein de l'entreprise. Et je vous souhaite d'accéder rapidement à des postes à responsabilité. Pour ceux qui continuent leurs études, je vous souhaite de la réussite dans votre parcours. Le pelon de tête a été serré, mais en bon hydraulicien, M. Ben Amara a bien huilé tous les rouages, n'a présenté aucun point faible et une régularité dans l'excellence, ce qui lui a permis aujourd'hui d'être le major de cette promotion. J'appelle M. Ben Amara. Toutes mes félicitations. Merci à vous. Merci à toute l'équipe pédagogique de l'unité de l'ENVI. C'est grâce à vos efforts, c'est grâce à vos sérieux qu'on réussit notre étude. C'était une année, un accueil chaleureux que j'ai passé parmi vous. C'était un grand plaisir d'être parmi vous. Merci à vous, monsieur. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci Edouard pour ce très beau discours. Donc maintenant, on passe aux licences professionnelles tertiaires, et donc plus particulièrement à la licence professionnelle, donc développement transfrontalier des petites et moyennes entreprises. Et donc, j'appelle au pupitre Régis. À toi, Régis. Merci, Pascal. Bien. Bonjour à tous. Donc, quelques mots à l'issue de cette année qui a été riche. Et un peu perturbé, il faut bien l'avouer. Donc, au nom de l'équipe pédagogique de la licence pro management et gestion des organisations développement transfrontalier des PME, je félicite tous les diplômés
et en particulier la première d'entre vous qui est Apolline Leroy, qui nous a rejoint sous le dispositif PIFI, donc formation continue, qui est major de promotion avec mention très bien. Donc félicitations à vous tous et félicitations à elle pour sa performance. Alors, je tiens à souligner aussi qu'au-delà de vos très bons résultats, je dois saluer votre comportement irréprochable et exemplaire pendant cette année, y compris pendant la période difficile du confinement et pendant les cours en distanciel, durant lesquels vous avez maintenu votre assiduité et votre travail à un très bon niveau, et c'est salué unanimement par l'équipe pédagogique. Donc vous avez été professionnel dans votre engagement et vous avez donné satisfaction à tous. Alors, pour conclure peut-être mon petit discours, j'ai juste à vous souhaiter à tous une insertion rapide et de qualité et un parcours professionnel et de vie très riche. Je vous demande aussi de rester en contact, de donner de vos nouvelles par tous moyens. Et dans les positions qui seront les vôtres à l'avenir, et j'espère au plus haut niveau, je vous demande de rester des partenaires de l'IUT pour l'accueil de stagiaires et pour l'insertion professionnelle. Bon, je termine en encourageant aussi tous ceux dont la soutenance est prévue en septembre, en particulier les apprentis. Et je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont permis que le fonctionnement de cette licence, mais de tous les diplômes OGEA, puisse être assuré et de bonne qualité. Donc Joël Pinelli, notre secrétaire toujours très engagé, Valérie Reuter pour le suivi des contrats d'alternance, Virginie Avian pour la communication de la LP, et tous ceux que j'oublie qui ont été des rouages essentiels pour notre fonctionnement. Voilà, je vous félicite encore une fois, et puis j'aurai plaisir à vous voir physiquement, très prochainement, j'espère. Continuez sur votre lancée et vous avez tous nos encouragements. Voilà. Au plaisir de vous voir en vrai. Félicitations à tous. Donc, Apolline, je pense qu'elle n'est pas arrivée. Voilà. Donc, bonne continuation à tous. Merci, Régis. Donc maintenant, nous passons encore à une licence professionnelle tertiaire, une licence professionnelle qui rencontre un vif succès tant au niveau des étudiants qu'au niveau des entreprises. Donc la licence professionnelle métier de la gestion et de la comptabilité. Donc cette licence professionnelle donc pilotée par M. Denis Schoffel, il n'est pas là aujourd'hui, mais toutefois il a pensé à vous, il a réalisé une petite vidéo qu'on va vous passer. Voilà. Alors bonjour à tous. Tout d'abord, comme vous êtes présent ici, toutes mes félicitations pour votre réussite de diplôme de la licence LPGC, que ce soit en révision comptable ou en contrôle de gestion. Je tenais personnellement à vous féliciter. Pardon. Désolé de ne pas pouvoir être présent, mais je suis retenu pour autre chose, malheureusement. Je sais que vous avez subi une année qui n'était pas facile. Pourquoi ? Parce qu'avec ce fameux Covid-19, on n'était pas toujours en cours présentiel, on a eu beaucoup de distanciel. Déjà que la licence n'est pas facile en présentiel, c'est vrai que d'introduire du distanciel, c'était loin d'être évident. Donc je tenais plus particulièrement encore à vous féliciter pour votre réussite, pour votre implication dans la licence, pour votre implication en stage, parce que heureusement, vous avez pu faire un stage, vous avez pu continuer, vous insérer, avoir une expérience dans le monde professionnel. Expérience qui s'est, pour la majorité d'entre vous, plutôt très bien réussie, puisque lors de vos soutenances de stage au PPCJ, vous m'avez fait part de votre intégration dès la rentrée en tant que CDD ou CDI dans une autre organisation. Donc, félicitations à double titre. Donc voilà, j'espère que vous ferez une très bonne poursuite professionnelle. Pour d'autres, je sais qu'on se retrouvera forcément dans d'autres formations, peut-être master. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations pour votre réussite du diplôme et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, au revoir. Bonjour, donc Philippe Gendouze va remettre un prix au major de promotion de cette licence professionnelle. Donc Madame Jamila Ziadi, je suis vraiment heureux de vous récompenser
en tant que major de cette promotion. Vous êtes, à mon sens, et il y en aura d'autres, mais un exemple d'investissement, de motivation et d'implication, puisque vous êtes revenu dans un parcours de formation l'année dernière dans le cadre de l'année spéciale. Vous avez intégré la LPGC cette année et vous terminez major de cette promotion, donc c'est tout à votre honneur. Et je dois aussi vous informer qu'elle va faire une poursuite d'études en master dès l'année prochaine. Donc Jamila, bravo, félicitations, c'est mérité. Et puis vous avez le droit de dire un petit mot. Tout d'abord, je voudrais remercier l'unité de l'ENWI justement de m'avoir laissé ma chance. Donc au départ, c'est vrai que j'étais juste partie pour un DUT, c'était mon objectif premier. Puis finalement, ça s'est tellement bien passé et puis l'équipe pédagogique a été super, d'ailleurs que je vous remercie pour leurs encouragements et leurs conseils précieux. Donc j'ai décidé de continuer, j'ai vu que j'avais des facilités, donc aujourd'hui franchement je suis fière d'en être arrivée là grâce à vous aussi et d'intégrer donc à la rentrée prochaine un master finance à Metz. Donc je remercie tout le monde et l'UT de l'ENWI. Et je félicite mes camarades de promo pour leur obtention du diplôme. Voilà. Merci, merci. Jamila. Merci bien. Donc maintenant, c'est au tour de la licence professionnelle commercialisation de technologie, dont le responsable est normalement Mohamed Benoui, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, et donc qui se fait représenter par M. Mioud Gandouz. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Mioud, à toi. Je ne suis pas sûr que ce soit une équipe qui gagne, mais... Donc bonjour, hein. Bonjour à toutes et à tous. Je suis, comme tous les intervenants précédents, et notamment... directeur de l'UT de l'ENWI. C'est un moment radieux, un moment de joie. C'est peut-être même le meilleur moment de l'année, le moment où on devrait voir des visages sourire. On ne les voit pas, tant pis, mais j'entends le son de votre cœur battre, voyez, à l'échéance de savoir si vous allez être diplômé ou pas, mais je pense que vous allez l'être. Donc je tiens, moi, voyez, puisqu'on va se voir plusieurs fois, à reprendre... à mon compte aussi ce qu'a dit M. Haroun Assoulet, directeur de l'UT, oui, en vous remerciant tous d'abord l'équipe pédagogique en premier lieu, parce que pour les enseignants, je peux vous assurer que ce n'est pas une chose facile que d'avoir assuré et mené à terme cette année universitaire. Donc je vais me permettre quand même de citer au moins ceux que j'ai sous les yeux. Madame Hélène Dildiz, merci. Monsieur Rachid Belkacem, merci. Monsieur Régis Rouillère, merci. Monsieur Sylvain Kubler, remerciements, oui, pour votre investissement tout au long de cette année universitaire pour amener tout le monde au bout du chemin. Donc, je tiens à vous féliciter tous, vous étudiants aussi, parce que si on est arrivé au bout, c'est grâce aussi à vous, grâce à votre implication, votre motivation et votre volonté. Donc, bravo, merci à tous. De toute façon, on va se revoir, donc je rajouterai des petites choses par la suite. Nous allons donc, je crois, commencer par la cérémonie donc des diplômés de la LP, licence professionnelle, commercialisation de technologie. Oui. Sachez dès à présent que nous n'allons pas récompenser de major pour la raison suivante. Une bonne partie des étudiants qui sont inscrits dans cette formation vont soutenir au mois de septembre, notamment parce qu'ils sont sous forme de contrat d'apprentissage. Donc, pour un principe d'équilibre et d'équité, oui, la remise de la récompense au majeur sera définie au mois de septembre. Cette LP, commercialisation de technologie, je le rappelle, a pour vocation d'apporter des compétences en matière de commerce, de marketing, à des étudiants qui viennent d'horizons divers, industriel, scientifique et tertiaire. Ça donne un melting pot. Tout à l'heure, j'ai entendu mélange culturel, richesse culturelle. La richesse, elle est aussi dans la diversité des formations d'origine qui permet d'amener de la qualité, de monter en puissance. Donc, bravo à tous les étudiants diplômés de cette licence professionnelle. Voilà, les noms apparaissent et les autres soutiendront à partir de septembre. Donc, je vous remercie. De ce que j'ai eu et entendu, tous les intervenants en poste et intervenants extérieurs se félicitent de la qualité de la promotion. Merci.
Maintenant, on peut enchaîner aussi. Nous passons donc maintenant au DIT Banque Assurance et c'est toujours Miloud. Voilà, je suis désolé, hein, excusez-moi. Ouais. Donc là aussi, ce diplôme ne récompensera pas de major de promotion parce que beaucoup vont soutenir au mois de septembre. Oui. Nous avons quelques diplômés de cette formation au mois de juin qui apparaissent à l'écran. Oui. Là aussi, je tiens à les remercier tous parce que ce n'était pas simple. Pas simple, évidemment, au regard des inquiétudes apportées par l'environnement. Oui. Pas simple de trouver un stage. Ils ont tous fait l'effort de rechercher, de s'investir pour trouver un stage. Beaucoup l'ont obtenu après la date initiale, mais ce n'est pas grave, d'autant plus que c'est un stage, je le rappelle, très long, un stage professionnel très long de 18 semaines. Cette formation a pour vocation d'apporter des compétences dans le domaine, évidemment, comme le nom de la formation l'indique, dans le domaine de la banque, de la finance, orientée sur le secteur d'activité de la banque, sur le secteur d'activité de l'assurance. C'est une formation qui fonctionne très bien en termes d'insertion professionnelle. Oui. Donc j'espère que les années futures nous donneront encore satisfaction tant sur l'insertion professionnelle que sur la qualité des étudiants qui intègrent cette formation. Oui. Là, je vais me permettre de les citer parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc Bensia, Osama, bravo. Di César, Adrien, bravo. Gilles et Kevin, bravo. Kamassi, Inès, bravo. Mio, Aurélien, félicitations à tous les diplômés et je vous rassure, il y en aura bien d'autres et beaucoup d'autres au mois de septembre. Merci Mémoud. Donc c'est fini pour les licences professionnelles. On va donc passer maintenant au DUT. On va commencer donc par le DUT génie thermique et énergie. Donc j'appelle au pupitre le chef de département génie thermique et énergie, à savoir donc Dominique Maurice. Dominique, bah, à toi. Merci Pascal. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je passe toujours derrière Miloud. Et c'est difficile de passer derrière Miloud. Hein, parce que... là, c'est marqué Riez. Donc, au nom de l'équipe pédagogique du département GTE et aussi de son technicien, de sa secrétaire, donc je souhaite on vous félicite tous pour la réussite de votre diplôme, de votre DUT GTE. Donc, vous avez du mérite, hein, ce n'était pas une année facile. Vous avez en gros 50% des cours en présentiel, 50% des cours en distanciel. Vous avez tous su arriver quand même à trouver un stage. Et voilà, donc ça, c'était, on tient à vous citer pour ça. Sur 33 étudiants, donc 29 vont être diplômés aujourd'hui et 2 seront certainement diplômés en septembre quand ils auront fini leur stage. Voilà, donc ça fait une paire d'années que c'est un petit peu habituel. Le major de promo est souvent un étudiant étranger. Donc c'est encore le cas cette année. Donc on avait deux étudiants angolais en tête de promotion qui se tiennent à quelques dizaines de points, mais notre major est donc M. Rice Mulondu, que je vais appeler. Dans mon masque. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être le major de cette promotion. Merci beaucoup. Et ces deux années ont été bonnes. Oui, en fait. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être le major du DUT Génie Thermique et Énergie. Merci. Ah, félicitations. Voilà, donc M. Rax a beaucoup de mérite parce que moi, étudiant angolais, la langue française n'est pas sa langue maternelle. Et voilà, finir major de promotion, c'est chapeau à lui. Voilà. Merci, au revoir et bonne continuation. Merci Dominique. Donc maintenant, c'est au tour d'une formation en alternance. Donc la formation en alternance DUT Génie Thermique et Énergie, donc représentée par Lionel Delima. Donc Lionel, là, c'est à toi. Merci. Bonjour. Alors le meilleur moment de l'année est arrivé. Je ne fais pas référence aux vacances, bien entendu, ni aux congés, mais au moment où on va diplômer nos étudiants de DUT Génie Thermique et Énergie en alternance. Alors la formation en alternance est toujours compliquée puisque nos étudiants, j'en suis très fier, arrivent à la fois à concilier la réussite universitaire et la réussite en entreprise. J'en veux pour preuve que toute la promotion est diplômée et que souvent
quasiment tous, ils ont tous, pardon, des propositions d'embauche. Donc bravo à eux, ce ne fut pas facile. À ça, il a fallu rajouter que cette année, il y a eu les quelques soucis de pandémie que nous avons eus, mais malgré tout, ils ont mené leur projet à bout en conciliant les difficultés et leur investissement dans tous les domaines. Donc je les en félicite et j'en suis très fier. Une autre source de fierté est que cette année, notre major de promo est une dame. Et dans le monde technique, on dit souvent que le monde technique n'est pas un monde féminin. Elle en est la preuve. Elle est la preuve que c'est faux, puisqu'elle s'est investie et qu'elle a donné totalement satisfaction à son entreprise qui souhaite la garder. C'est Annaëlle Bertrand que je félicite. Alors Annaëlle, en plus d'être brillante, ajoute le fait d'être modeste. Donc je ne vous embêterai pas trop, Annaëlle, je vous mettrai votre cadeau. Et j'ai une grosse pensée pour toute notre promotion et je les félicite par l'intermédiaire de la caméra. Félicite pour leur réussite. Je vous souhaite la meilleure poursuite d'études possible et je crois que de toute façon vous restez chez nous. Et d'ailleurs, même dans votre entreprise, c'est la preuve de votre épanouissement actuel. Et bravo à tous vos étudiants. Merci Lionel. On change de département et on passe donc au département génie électrique et informatique industrielle. Donc j'appelle Marwan Alma, chef de département génie électrique et informatique industrielle. Chères étudiantes, chers étudiants du département génie électrique et informatique industrielle, bonjour. Donc je suis là dans ce moment très heureux et très festif pour annoncer les diplômés de cette année en DUT. Essentiellement en DUT, même si je tiens aussi à féliciter les étudiants de nos trois LP que nous hébergeons chez nous. Donc je suis très content, très fier de tout ce que vous avez fait et surtout de votre comportement face à la pandémie. Vous avez su respecter les règles. Voilà, je vous en félicite, même si des fois on a dû vous bousculer un petit peu. Je suis très fier qu'on n'ait pas eu énormément de cas chez nous, qu'on a su continuer à donner des cours TD et TP pour la majorité en présentiel. Donc je suis très content aujourd'hui d'annoncer les diplômés. Certains le seront sûrement au mois de septembre. Donc là, on n'a que 27 étudiants à diplômer aujourd'hui. Mais bon, donc là, ça n'empêche que je vous les citerai tous, que ce soit maintenant ou au mois de septembre, pour les efforts consentis. Donc comme vous le savez, nous, au département, nous avons deux parcours. Donc, un destiné plutôt à la poursuite d'études. Et pour ça, je tiens aussi à féliciter plusieurs de nos étudiants qui ont su décrocher donc, des places dans de prestigieuses écoles d'ingénieurs de type INSA, du réseau UT ou réseau Polytech. Je suis très content pour vous. J'espère avoir de bonnes nouvelles. Donc, pour le deuxième parcours qui est technologique et plutôt destiné à l'insertion professionnelle. Je suis très content aussi pour les offres d'emploi dont vous avez pu bénéficier à la suite de vos stages. Donc voilà, donc ici je suis là que pour vous féliciter, que pour vous souhaiter vraiment un bel avenir. Et j'attends de vous, comme l'a dit M. Richard tout à l'heure, des nouvelles, que ce soit vraiment à la suite pour votre poursuite d'études ou dans le monde de l'entreprise. J'espère que vous allez nous reprendre des stagiaires dans les années à venir. Donc là, le moment est venu pour annoncer, du moins parce que les étudiants ne sont pas là, les deux majors de promotion. Donc pour le parcours technologique, c'est M. Adam Maxime, que je tiens à féliciter parce qu'il a fait un excellent stage et après lequel il est aujourd'hui en entreprise pour un CDD durant ses vacances parce qu'il compte poursuivre ses études. Donc bravo à toi Maxime. Et pour le deuxième, pour le parcours théorique, c'est Alexis. Et pour le parcours théorique, c'est Monsieur Alexis Debran. Il est en vacances à Rome. Voilà, bonnes vacances à toi. profite bien. Voilà, félicitations vraiment à vous deux. Et à bientôt, j'espère. Voilà. Merci Marwan, donc chef de département génie électrique et informatique industrielle. Voilà. Donc maintenant, ce n'est pas simple d'en faire un, ce n'est pas simple d'en faire deux, c'est encore plus compliqué d'en faire trois. Donc on passe au DUT
GEA, et j'appelle donc monsieur Miloud Gandou. Miloud, à toi. Bravo pour ta performance. Merci, monsieur le directeur adjoint, tous mes respects. Ouais. Soit dit en passant, si tu veux devenir chef de département d'un autre département, n'hésite pas. Allez, voilà. Donc, le département GEA, comme tout le monde le sait, est un gros département tertiaire, puisque en deuxième année, nous avons approximativement 120 étudiants, décomposés en deux options. L'option gestion comptable et financière, et puis évidemment l'option gestion et management des organisations. Les résultats sont plus que satisfaisant, hein, puisqu'on va approcher, en ne tenant pas compte pour le moment de ceux qui vont soutenir au mois de septembre leur stage, si je ne les compte pas à l'heure actuelle, eh bien on n'est pas loin de 100% de réussite. Donc ça veut dire que les enseignants ont été impliqués, ont essayé de développer de la qualité dans leur formation, d'une part, et ça veut dire aussi que forcément, vous, étudiants, vous avez mis ce qu'il fallait pour réussir, travail, oui, volonté et dynamisme. Donc, encore une fois, pour toutes ces qualités-là, je vous remercie. Les résultats sont plus que positifs. C'est grâce à vous et c'est grâce à l'équipe pédagogique. Ce que je voudrais vous dire, c'est de préciser, n'oubliez pas qu'un jour, vous avez été étudiant. On oublie vite, comme on oublie qu'on a été jeune. Dans quelques années, vous serez, je souhaite, et j'en suis convaincu, à des postes de responsabilité. Et puis, vous verrez des petits jeunes venir, peut-être des petits jeunes de l'UT de Longwy, DUT-GEA, toquer à votre porte et dire « Je suis à la recherche d'un stage. » J'aimerais que vous soyez solidaire dans l'avenir. Notre rôle est de vous apporter de la compétence, des savoirs, mais notre rôle est aussi de faire de vous des citoyens. Et être citoyen, c'est par avance partager, être solidaire, ne pas oublier qu'un jour, oui, vous avez eu besoin d'un coup de main, ici ou là. Donc, j'aimerais que vous repartiez tout à l'heure avec cette idée en tête, de rendre, comme on dit, la monnaie de sa pièce, de donner un coup de main plus tard à tous ceux qui viendront frapper à votre porte. D'autre part, j'aimerais aussi, évidemment, avoir, moi et l'équipe pédagogique, avoir de vos nouvelles. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On peut espérer qu'on pourra venir à l'UIT dans les mois futurs ou dans les années futures librement. Venez nous voir et nous dire ce que vous devenez. On aura toujours un réel plaisir à vous rencontrer et à discuter avec vous. Je vais terminer. J'ai remercié les enseignants et je renouvelle les remerciements, mais j'aimerais aussi remercier tous les personnels qui font tourner la boutique, comme on dit, qui font tourner l'UT, personnel technique d'une part, et le personnel administratif. Sans eux, n'oubliez pas, rien ne pourrait se faire. Donc moi, je vais, comme l'a fait M. Rouillère, remercier Mme Salucci qui fait que nos conditions de travail sont acceptables au département GEA. Et je vais aussi remercier Joël Pinelli, notre secrétaire, qui s'investit et qui est toujours à l'écoute à la fois des enseignants et des étudiants. Je remercie tout le monde, tout le personnel. Et encore bravo, félicitations. Évidemment, je ne vais pas lister le nom des diplômés, vous les avez sous les yeux. Par contre, je pense qu'on va pouvoir appeler la major de l'option GMO, qui est Madame Chloé Géin. Et j'invite Madame Hélène Élise à me rejoindre sur la scène pour lui remettre. En attendant que Mme Ildiz arrive, je tiens évidemment à féliciter Chloé, qui a un parcours, alors avec quelques années de différence, je suis désolé Jamila, mais un parcours un peu comme le vôtre, c'est-à-dire qu'elle a réintégré la formation cette année, et qui a mené, comme vous d'ailleurs, de front
sa formation et quelque chose de plus noble que la formation, sa vie de mère de famille. Voilà, donc félicitations parce que ce n'est pas simple. Hélène. Félicitations, Chloé. Merci beaucoup. Et je sais que même le futur sera aussi brillant que ce que vous avez fait cette année. Bravo. Merci beaucoup. J'annonce, parce qu'elle ne va pas le dire, le futur s'annonce sous de bonnes auspices puisqu'elle est embauchée avec un CDI. Dès lundi. Merci beaucoup. Merci surtout à toute l'équipe pédagogique qui a vraiment fait, je pense, d'énormes efforts pour nous maintenir intéressés et curieux. Ça n'a pas dû être évident de faire cours à des initiales sur un écran. Donc, merci beaucoup, parce que c'est grâce à vous, je pense qu'on sera pour la majorité diplômés. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir passer Winner, qui est une winneuse. Les filles trustent toutes les premières places. Bravo. Oui. À la major de l'option GCF, oui, Pauline De Vosges. Là, j'invite Rachid Belkacem à nous rejoindre sur la scène. Toutes mes félicitations, Pauline. On regarde tout ce que j'ai vu et de votre investissement. C'est largement, largement mérité. Donc, bravo à vous. Alors, toutes nos félicitations pour ce département. Ça a été un vrai plaisir d'être à un de vos enseignants. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je remercie tous les professeurs de l'unité qui nous ont beaucoup accompagnés, surtout pendant cette année qui a été compliquée avec tous les cours en vidéo. Tout encore merci à vous. Peut-être pouvez-vous dire ce que vous faites dès la rentrée prochaine. Oui, j'ai une licence CCA. Voilà, licence CCA, donc comptabilité et contrôle audit pour aller vers un master CCA derrière. Donc bravo. Merci. Merci Miloud. Donc maintenant, c'est au tour du DUT GEA en alternance et j'appelle Miloud. Non, c'était pour rire. Non. J'ai bien vérifié plusieurs fois. Non, c'est pas toi. Donc, j'appelle Sylvain Kubler. Sylvain, à toi. Bonjour à toutes et à tous. C'est difficile, effectivement, d'intervenir en dernier, comme tu l'as souligné. Mais après Miloud et Dominique aussi, qui finalement ont fait preuve certaines choses. Alors, effectivement, pour moi, c'est avec une grande fierté, hein, je peux le dire, et une grande émotion aussi, hein, que je participe à cette cérémonie de remise des diplômes, effectivement, qui n'a pas lieu comme d'habitude, effectivement. Une fierté parce que finalement, étant responsable de l'alternance de l'apprentissage depuis finalement 1995, je précise qu'à l'époque, on n'y croyait pas vraiment. J'ai été à l'origine, effectivement, avec d'autres à l'époque, de cette formation, effectivement, qui, avec M. Valtier sur le brillet, était assez difficile. On m'avait dit, de toute façon, on va essayer 5 ans, et puis après, je crois qu'on verra bien. Finalement, nous voici cette année, et nous avons toujours cette formation, que je me félicite. Et donc, il m'est toujours aussi agréable de récompenser nos étudiants, surtout, et plus particulièrement cette année, dans un contexte quand même très difficile. Il faut souligner les efforts qui ont été faits par tous, y compris notre institut, hein, parce que là, effectivement, ce n'est pas évident d'enseigner à distance des collègues, enfin bref, dans un contexte très difficile. Là-dessus, une grande émotion aussi. Pourquoi ? Il y a une grande émotion parce que, comme certains le savent, c'est ma dernière année où je vais participer effectivement à cette cérémonie comme responsable. J'ai dit comme responsable. En effet, le temps est venu de passer la main, car je serai en retraite, effectivement, le mois prochain. Je vous rassure, des collègues vont bien sûr prendre ma place, et heureusement, car vous le savez bien, nul n'est remplaçable. Je vous ferai remarquer aussi que si cette formation réussit, c'est quand même qu'il y a deux choses importantes. Déjà, je tiens à remercier tous nos partenaires, et notamment la plupart des entreprises qui nous ont toujours fait confiance, des organismes et même des collectivités qui nous apportent leur soutien depuis très longtemps. Donc, je leur renouvelle le remerciement qui leur revient. Bien sûr, il est clair aussi que nos collègues qui se sont fortement investis dans cette formation, c'est un succès, mais il faut reconnaître que sans l'apport et l'appui
de beaucoup, on n'aurait pas pu réussir. Donc, à mon sens, c'est une belle formation pour nos étudiants, hein, qui bénéficient effectivement à la fois d'une formation théorique et pratique, avec à la clé le succès, soit, vous l'avez entendu, une poursuite d'études ou un emploi. Donc, en fait, ce n'est peut-être qu'une réussite. Bien entendu, et comme je vous l'ai dit, c'est un effort de tous, que j'espère on va pouvoir le continuer, parce qu'en fait, ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Je rappelle aussi que ça fait partie des éléments actuels du gouvernement qui fait que l'apprentissage doit continuer à se développer, parce que c'est une grande richesse pour tous. Alors, je précise également, puisqu'on va se recentrer un petit peu sur nos étudiants, cette promotion, qui vous voyez s'afficher les résultats, Grémo Antoine, je peux les citer, puisqu'ils ne sont pas nombreux, qui a réussi, Lèb Lucien, Ponsard Ambre, Portier Julien et Rodriguez Léon. C'est effectivement pour eux, je tiens à le souligner, un parcours compliqué, parce que effectivement, la plupart du temps, lier les cours et puis en même temps la formation d'entreprise, c'est relativement difficile. Donc je tiens tout particulièrement à les féliciter, qu'ils continuent. Mes prédécesseurs ont bien souligné que de toute façon, on a toujours besoin, à un moment donné, qu'ils gardent le contact avec nous. Donc effectivement, à nouveau, je les invite à nous contacter, à me contacter encore éventuellement, puisque je vais rester encore un tout petit peu parmi vous pour pouvoir assurer la transition. Et donc, à partir de ce moment-là, on fera le nécessaire pour que cette formation puisse continuer et à se développer le mieux possible. Et bien entendu, je remercie tous ceux qui se sont impliqués, parce qu'effectivement, comme on l'a souligné, la réussite n'est pas d'une personne, l'Institut sûrement, qui donne des moyens, mais en même temps et aussi et surtout, le personnel qu'on a cité, Joël, qui, malgré les difficultés rencontrées, a continué à assurer, Valérie et ainsi de suite, Virginie aussi pour sa participation. Et j'en oublie beaucoup, 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 mais je remercie l'ensemble de l'Institut à ce niveau-là. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais donc appeler maintenant notre major, qui, je suis fier de l'appeler, Ambre Ponsard. Alors, sincère félicitations, vous allez nous faire aussi, et moi j'étais vraiment satisfait de vous, parce que finalement vous êtes une étudiante qui est finalement discrète, efficace, mais en même temps, on sent derrière vous le souci de réussir. Et vous avez d'autres projets que j'ai approuvés, bien que des fois, vous avez le choix entre plusieurs éléments, mais là-dessus, je vous félicite sincèrement. Et je vous encourage à continuer de la sorte. Merci beaucoup. Vous pouvez vous exprimer, allez-y. Je voulais remercier toute l'équipe pédagogique pour tout, en fait, pour avoir réussi à continuer de nous motiver malgré les conditions. Merci beaucoup. Donc, merci à l'heureux retraité. Merci Sylvain. Et puis au nom de l'UIT, bon, je sais tous les efforts que tu as fait pour développer l'alternance. Et c'est clair que bon, l'UIT sait tout ce qui tourne. C'est ça. Merci. Voilà. Donc maintenant, nous passons à une personne qui souhaite égaler en nombre de fois, où vous allez la retrouver Miloud, mais qui va avoir du mal. Donc Régis, à toi. Merci Pascal. Donc oui, ça c'est improvisé, c'était pas calculé. J'appelle donc Apolline Leroy, qui est notre major de la licence pro management et gestion des organisations, que je félicite à nouveau. Apolline, elle est une étudiante des plus sérieuses, des plus impliquées, curieuse. Pour moi, c'est une Formule 1. Voilà. Donc je pense que vous avez toutes les qualités pour avoir les ambitions les plus hautes. Donc, n'arrêtez jamais de progresser, de vous former, etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller très, très loin. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre message et je remercie aussi à toute l'équipe de l'UIT pour son implication et aussi pour la qualité de l'enseignement. Et je remercie aussi l'entreprise Emus qui m'a accueilli en stage et qui m'a offert de nombreuses clés. Merci à vous.
Merci beaucoup, Régis. Alors, donc, maintenant, on vient à l'instant de me prévenir que Mme Marquez, donc attachée parlementaire de notre député, vient de nous rejoindre avec une petite vidéo à votre attention. Donc, notre député, Xavier, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais, pour cette manifestation de remise des diplômes de l'IUT, être tout de même présent et parmi vous par cette petite vidéo. Vous savez, je suis un ancien étudiant de GEA et en cela, j'ai toujours plaisir à faire partie, ou venir en tout cas à l'IUT, ou participer aux différentes manifestations. Alors, je ne pourrais pas, et même en visio, être parmi vous aujourd'hui parce que je suis actuellement, j'assiste à l'inauguration d'une usine de méthanisation. Donc, je tenais et largement à vous féliciter pour le diplôme et ce sésame que vous avez décroché. Et puis, surtout, vous souhaitez un bel été. Je fus étudiant, je sais ce qu'il en est. Et quand au lendemain d'un déconfinement que l'on vient de traverser, et sachant qu'on a maintenant un diplôme en poche, j'imagine bien que chacune d'entre vous va profiter de ce bel été pour aller faire la fête. Et en cela, je tenais encore à vous féliciter et à saluer et les étudiants et le personnel enseignant et également le personnel encadrant. Félicitations à vous et encore une fois, un bel été. Donc, cette dernière prise de parole marque la fin de cette cérémonie 2021. Alors, vous avez vu qu'un certain nombre de formations ont été mises à l'honneur. Il manque toutefois une de nos formations, donc la LP SARI. Son jury n'a pas encore eu lieu, donc du coup, nous n'avons pas pu donner le nom des lauréats. Ça sera fait ultérieurement. Nous savons toutefois que cette formation est une formation d'excellence et nous savons que de toute manière, elle sera mise en avant prochainement. Alors donc, je me permets quand même, je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, de remercier donc le service communication ainsi que le service informatique qui ont organisé et rendu possible à distance, je précise bien, la remise des diplômes 2021. Bon, je vous souhaite à tous au nom de l'UT une bonne continuation et puis surtout de bonnes vacances parce que bon, nous avons une année difficile avec ce Covid. Donc bonnes vacances à tous et bonne continuation. Voilà, au revoir. Merci.